Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va jouer les magiciens, les apprentis sorciers. On va essayer ce petit. Alors, c'est pas un jeu, c'est une expérience. Enfin, moi, je la qualifierais plus d'expérience. Vous allez voir, on va jouer les apprentis magiciens. Vous venez de voir le trailer donc sur Oculus Quest. Maintenant, on passe sur Oculus Rift S. Et c'est un jeu qui est en cross-buy. Donc, ils sont très similaires. Évidemment, meilleurs sur le Rift, heureusement. Et vous allez voir. Peu de différence sur le gameplay, bah quasiment aucune. Après, c'est graphiquement, il est plus joli, et puis ils ont du coup adapté un peu sur le quest. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. C'est parti, on y va. Donc bienvenue dans mon antre. Voilà, on va visiter un petit peu tout ça, tester rapidement, vous faire voir un petit peu le gameplay de cette expérience. C'est un peu un fourre-tout. Vous êtes apprenti magicien, vous pouvez faire. Alors moi j'ai commencé, j'ai joué un peu sur Quest et un petit peu sur Rift, hein, donc comme j'ai dit, c'est similaire. Voilà, on voit ses mains. Et en fait, il y a plein de choses à faire. C'est des mini-jeux un peu éparpillés partout. Il y a comme des petites énigmes. C'est à fouiner un petit peu. Voilà, hop. C'est un mini-jeu qui s'enclenche. Sabre laser, style Star Wars, mais voilà, en fait, tout bêtement. Voilà, bon. Vous voyez, ça, c'est un style comme ça. Voilà, et ça va s'accélérer. Et l'objectif, c'est de faire zéro faute, quoi. Voilà, c'est vraiment un mini-jeu, donc on peut le poser. Hop, le petit crâne en fait qui vous guide. Alors le défaut, si on peut parler de défaut dans cette application, c'est que bah, il parle en anglais, donc voilà. Bon après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour et bon, peut-être ça peut échapper à certains. Voilà, tout va dépendre de votre niveau. Après, ça n'empêche pas de jouer au jeu. Il y a plein de choses à fouiner. Il faut chercher vraiment un peu partout. Voilà, on découvre des choses sans arrêt. À chaque fois qu'on reteste, c'est rejouable à volonté. Enfin bon, même si c'est pas un jeu. Voilà, ils ont rajouté des choses par rapport au Quest. Enfin, rajouté. Le jeu existait avant, hein, donc il est dispo sur toutes les plateformes, hein, quasiment. D'ailleurs, toutes. Et on peut, par exemple, hop, mettre un peu de musique. Voilà, donc on voit ses mains. Donc ce jeu, bah, les rumeurs. Qui s'accentue sur le fait qu'il va être compatible sur le hand tracking, donc c'est en développement, c'est-à-dire que vous jouerez avec vos vraies mains en fait, plus avec les manettes. Donc c'est vrai que ça va être pour l'immersion, ça va être génial. Enfin, il est déjà bien comme ça, mais je pense que ce sera encore mieux. Voilà. Après, vous pouvez faire des mélanges en fait de potions qui vont donner des pouvoirs que vous allez découvrir, toutes sortes de choses. À vous de chercher les potions. Après, il y a je crois 12, hein, en fait, vous les découvrez ici. Hop, c'est des pouvoirs donc que j'ai déjà découvert. Une sorte de combinaison. Ça, c'est des mini-énigmes, si on peut dire. Il faut fouiner un petit peu partout, là. On voit, il y a une sorte de... Il faut reproduire le son, et hop, on se téléporte dans cet univers. Donc c'est bourré de petites choses comme ça. À découvrir. Vraiment, c'est très sympa. Vous l'aurez compris, en fait, vraiment, moi, j'adhère à ce genre d'expérience. C'est vraiment une expérience à découvrir, à fouiner. Vous cherchez, vous allez découvrir des choses sans arrêt que vous n'aurez pas vu la fois d'avant. Il faut regarder un petit peu partout, tester des choses. On pourrait y jouer même avec le Link pour voir la différence. Moi, je le trouve quand même plus travaillé sur le Rift, hein, donc il n'y a pas de ce côté-là. Mais dans le gameplay, ça change rien. Il est très réussi sur Quest. Donc, allez-y, soit l'un ou l'autre, hein, peu importe. De toute façon, vous l'aurez sur les deux si jamais vous avez les deux casques, hein, ou si vous passez avec le Link. Donc, voilà, voyez, il faut fouiner un peu partout. Il y a plein de choix. Il y a des pièces cachées, puisque vous découvrez là, par exemple, on va voir. Je vais faire le test. Donc l'objectif, c'est de refaire le même. Voilà, même pas besoin de le faire dans un tempo. Yep. Et d'un coup, on se retrouve dans un autre univers. Voilà, comme ça, plein de petites choses cachées et pas là pour d'autres... d'autres énigmes entre guillemets, hein. Voilà, pour ceux qui ont le vertige, dédicace comme moi, mais ça va, je m'habitue. Voilà, ce genre de petites choses, ça c'est encore les extras. On va revenir. Des petites séquences comme ça, très sympa
On peut se déplacer n'importe où. Il faut vraiment chercher. Hop. Et voilà, j'ai mis mon chapeau. Magnifique. Donc là, c'est des combinaisons de potions. Le crâne est très... voilà, notre guide, entre guillemets. Là, donc, il y a d'autres possibilités. C'est un autre monde encore, où on a accès, pareil ici. Donc un petit coucou aussi à Okami7, hein, je vous invite à aller voir, il avait fait déjà un test sur le Quest. Donc je vous invite à aller voir son petit test sur le Quest par rapport à ce jeu. Moi là donc je suis sur le Rift S, donc voilà, le gameplay c'est le même, hein, donc pas de différence par contre. Ouais, il est plus joli, ça c'est sûr, j'ai vu les deux, il est plus travaillé, donc voilà. Mais c'est tout ce que ça change, hein. Vous aurez autant de plaisir. Plein de choses à découvrir vraiment, c'est un fourre-tout. Et on passe son temps à chercher, en fait. On sait pas ce qu'on cherche, mais on déclenche des choses, en fait. There are three types of ingredients. Use one of each. Donc voilà, c'est un exemple. Il y a des énigmes à déclencher, en fait. Voilà, par exemple, voilà, ça s'affiche. Donc il y a des choses à faire. On peut changer la musique. Chaque en fait élément, je pense, peut déclencher quelque chose. Donc c'est toute la particularité en fait, c'est de chercher quoi. On ne sait pas ce qu'on cherche. Ça, c'est parce que j'ai déjà mis cet élément dedans. Voilà. Once it's moved for long enough, it ends with an explosion. Plein de petites énigmes et en s'amusant, en faisant des potions. Jouer au petit magicien, c'est très bien fait, il y a une bonne ambiance. Voilà, une belle expérience en VR qui passe très très bien. Et je vous dis, avec le hand tracking, donc ça sera disponible, je pense que ça va prendre encore plus d'ampleur puisque vous aurez vraiment vos mains et vous pourrez faire vraiment tout avec vos mains. Ça sera encore meilleur. Donc on allume le sort. Je vais pas prendre d'autres sorts. Hop. Voilà. Toutes sortes de petites choses assez amusantes à faire. Tester des choses. N'ayez pas peur de tester des trucs. C'est comme ça qu'on découvre. Donc une belle application à découvrir sur votre Oculus Quest ou Rift, ou alors sur le HTC, ou encore sur le PSVR. En fait, voilà, il est disponible partout. Très sympa, une expérience, hein, pas un jeu, comme je vous le dis. Pour environ 10€, en tout cas, sur la plateforme Oculus. Donc c'est franchement pour peut-être aller 2 heures de jeu. Mais bon, ça se joue, ça se rejoue, on découvre. Ici, par exemple, il faudra trouver une clé avec ce genre d'énigme. A single touch from cursed hands makes objects fly and flutter by. Hold very still. Yeah.
try another ingredient. The recipe contains one ingredient from each category. You seem distracted, Master. There are three types of ingredients. Use one of each. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Mettez un petit like, partagez, abonnez-vous si ça vous intéresse. Voilà, je fais des directs de temps en temps, donc n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine pour plein d'autres vidéos. Voilà, il y en a plein de disponibles, donc amusez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.